Il pleuvait énormément sur Marseille toute la journée de samedi. Allez, ce quart de finale qui débute, ce deuxième quart de finale qui va mettre aux prises donc la partie signée Mika Brunetto, David Riviera étant le capitaine d'équipe et Jérémy Fernandez face donc à Jean-Michel Puccinelli, Benji Renault et Ludo Montoro. Jean-Michel Puccinelli qui était allé chercher la victoire il y a 2 ans. Lui, le Salonnais, le concours de sa vie. Il l'avait enfin obtenu, enfin décroché. Et pourtant, il en a connu des titres, Jean-Mi. Champion d'Europe avec la sélection nationale. Les Masters, les Trophées des Villes, toutes les grandes compétitions, il les avait remportées. Mais c'est cette étoile qu'il allait chercher avec Vigo Dubois et Tyson Molinas. Là, cette année, il est sacrément bien équipé avec Benji Renault, avec Ludo Montoro. Des postes, voilà, Marianne, très, très définis là. Là, on a vraiment une triplette. D'ailleurs, plutôt d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est vraiment, chaque poste est bien établi. Oui, alors vraiment, là, celui qui peut donner un favori dans cette confrontation est très fort. Je pense qu'il y a égalité par rapport à ce qu'on a vu depuis le début du mondial à Marseillaise et par rapport à ce qu'on nous a rapporté aussi puisque on a quelques, je dirais, espions qui arpentent Borelli depuis dimanche. Le plus connu étant Fred Soulier, bien entendu. Effectivement, en tout cas le plus visible. Allez, on va se reprendre. Allez, ça bouge, ben ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu aussi parce que les parties, voilà, Patrick Grignon. De dire que si on est dérangé, il n'y a pas de souci, le chrono, le timer sera arrêté parce que une galerie a éclaté. Il y a eu le quart de finale qui a été très rapide chez nous avec Marco Foyot, vous l'avez suivi. Allez, c'est bien frappé par Benjin Renault, ça c'est fort, il a eu besoin de se reprendre. Et puis un autre quart de finale qui s'est arrêté. Et la surprise, c'est que Mamour Molinas, associé à Maeki et Patrick Eby, l'équipe suisse, a été battue par celle de Nicolas Perry. Associé à Jean-Claude Jouffre et Nicolas Molins, les Roltais qui, paraît-il, Guillaume, fait un tir exceptionnel depuis dimanche. Et qu'on aura loisir de retrouver cet après-midi. Ah, j'ai hâte. Ah oui, je me doute. J'ai hâte. On passe le cacher. Allez, très belle approche. C'est un ami. De Fernandez. Jean-Michel Puccinelli au tir pour sa première. Oh, c'est pas mal. Ouh. Oh là 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 là. Le carreau signé Jean-Michel Puccinelli avec ce geste toujours si particulier, cette rotation du bras. Allez, j'ai encore. Avant d'armer. Alors la force aussi de ces deux équipes, c'est que ce sont des équipes très soudées. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce sont des joueurs rompus à toutes ces joutes et à tous ces matchs importants. Voilà, et alors, allez, Mika Brunetto, aujourd'hui, enfin, il est sur un nuage depuis 2 ans. Mais en tout cas, les 6 joueurs occupent un poste bien précis. Ça va se jouer à rien, Guillaume, sauf si une équipe réalise des exploits comme vient de le faire là Benji Renault et Jean-Michel Puccinelli. 3 tirs, 1 carreau et 2 cadrés. Ah, si on prend le bouchon là, vous aimez. Allez, c'est manqué. Par Mikael Brunetto. Allez, il faut qu'il rentre dans sa partie, hein, Mikael Brunetto. Allez, c'est pas grave. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas grave, mais. Il a manqué le début, Mikael. Ah. Allez. Ça allait rouler. Il pensait effectivement que ça allait rouler. Ils ont pu prendre connaissance de ce terrain hier. En fin d'après-midi, au stade des 8e de finale, même si malheureusement leur rencontre n'est pas allée à son terme. Allez, on le voit là sur ce plan. Le point est à Jean-Michel Puccinelli. Les boules qui sont des boules. Les deux plus proches sont ensuite à Brunetto et Fernandez. On va essayer de rajouter du côté de Ludo Montoro. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe.
Alors, est-ce qu'il y est... Ah, arbitre. Je crois pas. Alors, Jean-Michel Petinelli qui va appeler Patrick Grignon. On a plus de boule. Bloque le temps. Allez. On aurait pu tirer du côté de Jean-Michel Puccinelli puisque ses adversaires ont que deux boules sur le terrain. 68 cm et 5 mm. Et eux, trois boules en main. Ils pouvaient essayer de tirer, frapper deux fois pour faire un gros coup. Mais on a décidé de pointer. Et Luc Dovic Montoro est venu se coller. Donc le point n'y est pas. Bah, Ludo, tire bien devant. Hein. Allez, on prend le risque maintenant. Fais l'effort de taper celle-là, tu me laisseras une balle boule. Allez. Après, je me forcerai. Allez, il faut y aller, Ludo. Il faut tenter le coup. La mène, il faut qu'elle soit payée. Vu la prestation de ses partenaires. Allez, Ludo. Allez, Ludo. Tant pis. Tout peut bouger derrière, mais si ça se passe bien, Jean-Michel Puccinelli va se retrouver avec un tir à 5. Sur la boule de gauche collée derrière. Aïe. Tu me crois que tu m'envoies sur la boule? Il est tout juste pas droit là, Ludo. Aïe. C'est la fois main, tu vas bien tirer après. Pas moi. Non? Pas comment vous faites, les gars. Deuxième Marseillaise, hein, seulement. En vérité, je sais pas comment je peux faire des oreilles. Pour Ludo Montoro. Ça va être moindre mal pour les Salonnais. Oui, exactement. Ils devraient s'en sortir à... avec un minimum de points encaissés. Oh là là, c'est bien parti en tout cas. Ah, grosse semaine. Grosse semaine de Ben Girono. Dommage que Ludovic Montoro n'était pas au diapason de ses deux partenaires. Sinon, ça aurait pu scorer très très cher, Guillaume. Allez, néanmoins, la triplette Puccinelli-Montoro-Renault ouvre le compteur de ce quart de finale, j'allais dire de ce deuxième quart de finale. Allez, on pourrait dire troisième avec ce résultat donc, hein, de la triplette Piri qui s'est imposée face à Mamour Molinas. On rappelle bien entendu, s'il en était besoin, que Marco Foyo sera au rendez-vous du dernier carré et que pour le dernier quart dont Fred Soulier, bien sûr, on va nous compter, nous narrer la fin. C'est la triplette Morel associée à Dirk et Sonny Evan qui fait face à Tugo, Belama et Chaplan. Demi-finale bien sûr en début d'après-midi. Hein, nous serons ensemble dès 14h15, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, 14h30. Voilà, Nicolas Strass, notre chef d'édition qui ne me laisse rien passer, il a bien raison. 14h30 donc pour la première demi, vous ne manquerez rien des deux demi-finales et de la finale qui, elle, par contre, se déroulera à 20h30 pour la demi-finale à suivre sur paca.france3.fr ou en différé minuit 5 cette nuit sur France 3. Allez, bien pointé du côté de Montoro pour démarrer cette deuxième main. Vous avez vu, le but est à 7,80 m. C'est frappé du côté de Mika Bonetto. Et David Rivera va essayer de pointer aussi bien qu'à la première main où il avait envoyé deux fois au tir Benji Renaud. Allez, encore bien pointé. David Rivera, capitaine de ses deux jeunes partenaires avec qui il a connu tous ses succès. C'est parti du Trophée des Villes avec Marseille en 2018, fin de saison 2018 et puis 2019. Avec cette finale notamment dans les arènes de Fréjus. Face à la triplette de Winter Claudy. Allez, ça y est. Allez, faire la reprise. Donc, allez, on ne part pas à l'abordage du côté de Montoro, Puccinelli, Renault. C'est bien pointé. Bravo. Ah, très, très bien pointé. Allez, celle-là, il les aime, Michael Bonetto, parce qu'il est obligé de lever un petit peu le bras. Il va se forcer.
Et si d'aventure il venait à être un petit peu court, bien entendu, il noirait le but. Mais il les aime, celle-là. On va voir s'il est bien réveillé, le futur papa. Vous voyez, Guillaume, c'est ses boules, ça. Ah, allez. Bien tiré. Puis ça peut le faire rentrer pleinement dans ce match. Eh bien, on signe dès demain. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment tous dans leur match déjà là. C'est, vous savez, ça aurait pu être une finale avant la lettre. C'est une finale avant la lettre. C'est une finale avant l'heure, oui, ça c'est sûr. Voilà, parce que ce matin, en faisant le papier, comme on dit, quand on regarde les 8 équipes, bon, il y a l'équipe aux 15 étoiles qui est un peu devant, mais ces deux équipes, on ne sait pas qui classer en deuxième ou en troisième position, sans faire offense, bien entendu, aux autres quarts de finalistes. Qui sont des équipes aussi très très homogènes. Oui, oui, on les mettait au tableau des 5 étoiles, au rang des favorites, ces équipes. Une petite précision, ce sera 10 minutes, hein, donc pas minuit 5 comme j'ai pu le dire, ne ratez pas ces 5 minutes, 10 minutes, dès les 12 coups, vous pourrez vous faire ce grand plaisir d'une nouvelle finale du Mondial de la Marseillaise, 59e édition. Quel bonheur qu'elle ait pu avoir eu lieu dans cet été 2020. Allez, c'est manqué par Jérémy Fernandez. Ouais, juste pas droit. Vous voyez, lui, il a un tir fusant. La boule, elle s'était bien donnée. Il aurait pu faire un palais. Allez, allez, doucement. David, essayez de gagner le point. La boule de Jean-Michel Puccinelli, elle est derrière le but. Donc, il peut y avoir un contre. Ah, c'est bien pointé. C'est bien pointé, hein. C'est des gros points hein, qui sont à 40 cm. Je te dis. Je tire pas assez bien, vous savez. Allez, j'essaie de venir devant. Hein. Allez, c'est pas grave, allez. Allez, pour l'instant, ils sont obligés de parer au plus pressé. De concéder un minimum. Ah, allez, il a gagné, Jérémy. Petit bec, là. Petit bec, voilà. Ouais. Ah, Benji. Allez. Être bien droit pour éviter le contre à la boule de Jean-Michel Puccinelli. On le sait, quand la boule est derrière, il y a toujours danger jusqu'à la fin. Oh là là. Oh là là là. C'est pas le plus beau tir de Benji. Non. C'est bien donné. Certain. S'excuser d'ailleurs. Ouais. S'excuser auprès de ses adversaires. Ouais, regardez, ça part sur ralenti. Ouf, c'est bien donné celle-ci, hein, parce qu'on en a vu des plus virevoltantes que. Hein, des plus cabri qu'elle. Hein. Exactement. Oh, c'est bien. Un peu bas. Il est bas. Un peu bas, ouais. Alors est-ce qu'il s'est démarqué? Non. Carreau. La bonne. Un peu bas. Ouais. Ça le mettre. Je partirai en haut de suite. Hein? Je partirai en haut de suite. Allez Benji. Allez vieux, ça vient de suite là. On a deux équipes, Guillaume, là qui jouent quand même assez vite. Hein. Vous avez vu, c'est vrai. Un rythme assez soutenu. C'est vrai. Et voilà. En tout cas, il n'y a pas une équipe qui donne le rythme ou qui casse le rythme de la partie. Bravo. Ah, ça c'est très bien pointé. Deux points. Excellent, excellent. Ce dernier à point. Et cette boule de rajout réussie par Benji Renault qui fait une belle entame, en plus avec la petite réussite qui va bien, on l'a vu sur la boule qu'il a eu à tirer précédemment, mais ça fait partie du jeu. Et l'équipe Puccinelli qui double son capital point. Puccinelli, Montoro et Benji Renault qui mènent 4-0. Alors, l'équipe de Marco Foyo qualifiée pour les demi-finales. L'équipe de Nicolas Perry qualifiée pour les demi-finales. Le vainqueur de cette rencontre, bien sûr, rejoindra le dernier carré. Mon cher Fred Soulier, on n'en peut plus. On veut connaître le quatrième potentiel demi-finaliste, s'il vous plaît. Eh bien, sans surprise, c'est l'équipe Morel et Van Durk. En fait, trois tireurs véritables qui ont créé la sensation. 13-7 sur l'équipe Tugo. Redoutable. Une équipe, une triplette qu'il va falloir suivre attentivement. Merci, merci mon cher Fred. Donc une qualification pour les demi. Morel, Mason Dirk et Sonny Even. Là, il n'y a que des grands noms à ce stade du dernier carré.
Allez, Ludo, mon taureau qui rentre dans son match. Oui, 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 il a manqué la première main. Et maintenant, il est bien dedans. Alors que son adversaire direct, lui, pour l'instant, a très bien pointé. Ouais, c'est des belles joueurs, hein. Lui, il est gentil. Ouais, ça y est, c'est pas. Allez, légèrement à gauche, du côté de David Riviera. D'ailleurs, je cherchais ma confirmation en vous écoutant, évidemment, avec attention, mon cher Marian, mais c'est bien un retour dans le dernier carré hein, pour Mason Dirk, qui avait atteint la demi en 2013 avec Chato Cano et Dominique Uzaï. Il est encore en bas. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, c'est parfait. Je la voyais basculer cette boule. Ah, c'est bien rectifié de la part de David Riviera. C'est bien le gars. La dente, c'est pas. J'ai vite fait que je peux le perdre, tu d'en bas aussi. Allez. Déjà, je rentre, c'est bien. Allez, Ludo, il y a un petit peu de place. Essaye. Ça discute sec. Ouais, on essaie surtout de se réveiller. On connaît parfaitement entre Riviera et Bonetto. Donc on s'envoie un petit peu des pics, mais c'est pas méchant. C'est surtout pour essayer de réveiller Mika, de mettre un petit choc psychologique. Voilà. Et vous avez vu du côté de Puccinelli, hein, on ne part pas à l'abordage. Ouais, très très bien pointé. Ah, si c'est bien. Allez, Michael Bonetto. Il en est pour l'instant à 2 sur 3. Ah, mais j'ai du sang un peu. Allez, pour les néophytes, mais j'ai du sang, c'est réveille-toi. Hein, et c'est de. Voilà, c'est rien de méchant. Hein. Allez, bien lever le bras, il peut péter les deux. Ah, il est pas chanceux. Ouais. Pas chanceux, contre recul. Allez, tire bien. Je fais exprès de manquer les boules. Allez, tire bien. Tu vas faire la chanson tout le long, tu vois. Voilà, bah tu fais. Bah tire comme ça, je te dirai plus rien. Allez, tire bien. Moi, quand tu joues moi, je te dirai. Ah, bah c'est pas grave, allez, continue. Ah, même temps. Elle était tirée à la perfection, sa première. Petit recul, il est venu en buter sur la boule de Riviera. Malheureusement, il s'est démarqué. Allez, faut y revenir, faut y revenir. Ah, c'est pas mal. Ouais. Oh là là, deux marches arrière. Allez, bien tiré deux fois. Deux marches arrière. Ça y est, vous avez vu comme ça a marché. Hein, il a un petit peu piqué. Il a piqué au vif, ouais. Exactement. Ouais. Voilà. Et là, il a plus besoin de lui parler, comme il l'a dit. Tu retires une fois comme ça et je te parle plus, c'est bon. Je ne t'embête plus. Voilà. Ah, ils se connaissent par cœur. Ah oui. Il commence à revenir comme ça quand même. Voilà. Alors attention à Jean-Michel Puccinelli. Il faut que Jean-Michel Puccinelli fasse attention, n'aille pas sur la gauche. Il faut vraiment jouer 50 cm à droite du but. Parce qu'ils ont deux boules d'avance dans la main. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Est-ce que vous régniez pour Jean-Michel Puccinelli vient de se, eh oui, vient de se passer. Tout le monde va là-bas, donc c'est qu'il y a un revers qu'ils n'ont pas vu. Je ne pas rentrer. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas rentré. Ah, c'est pas grave, tu gagnes maintenant, ils sont bons ceux-là. Hein. Un coup sur deux, t'auras bien joué. Hein. Au moins de rentrer. Allez, Jean-Mi, ben maintenant. Encore en bas. Il est rentré. Un petit peu court, non? Tu vois, il est un petit peu court quand même. Je voulais. Tu crois? Il est court, non? Pas rentré? Non. Oh, je vois. Allez, moi, je pense qu'il faut quand même aller tirer. On va mesurer. Regarde, plus j'ai une doute, mais après, il y a des ombres. Mais... On va mesurer. Alors, il y en a un sur pour David Riviera. Et là, on mesure pour voir qui est en deuxième position avec la boule de Jean-Michel Puccinelli, celle-ci. 57 cm et 2 mm. Et là, boule de Michael Bonetto. 55 et demi.
55 cm. Allez, il y en a deux, mais moi je pense qu'il faut qu'il tire Benji Renault. Parce que même qu'ils ont deux points. À peu près, lui, hein. Non ? Je sais pas. Tu tapes déjà, ça fait un point de moins, après tu peux jouer avec la mienne. Je pense que... Ouais, c'est pas... Si tu frappes, c'est pas déjoué. Hein. Après, t'as beau jouer avec la tienne avec celle-là. Après, tu peux jouer avec la mienne. Ça, il t'a pédé, là, c'est qu'à ça un point, j'ai mal pointé, non, moi. Et c'est ça, on sait jamais. Un coup de réussite, ça peut être bien. Et si, là, si tu frappes seul, déjà, c'est bien. Ben, tape, tu casses un point, déjà, il est bon, celui-là. Allez, Ben, oui, tu ouvres le jeu, déjà. Il faut tirer. Ah, il faut tirer. Et on sait jamais, avec le petit brin de réussite, il pourrait casser les deux. Voilà. Allez, ben, ça, tiré, ça, bien tiré, déjà. Passez dessus. Ben. Va doucement, essaie de gagner. Va doucement, maintenant. Quel début de rencontre. Ah oui. De la part de Benji Renault. Il est exceptionnel au tir. Le finaliste allez, mal joué, moi. Du championnat de France doublette. Allez, Benji, essaye. En 2018. Allez, tu passes à la Jean-Mille. Demi-finaliste également en 2019 avec Stéphane Robineau. Que l'on a suivi un petit peu plus tôt dans la journée. Allez, faire la reprise. Pour essayer de mettre en difficulté Jérémy Fernandez. Voilà, c'est bravo. Bien joué. Bien compris. Allez, Jérémy pour la marque. Allez. Et pour ouvrir le compteur sport, le compteur score sport, ça c'est sûr, du sport. Il y en a à l'antenne. Ouais, bien fait. Allez. Lui aussi. Ah, il est très fort. Ah, c'est un joueur de ce coup de sang. Oui, oui, bien sûr. Hein. C'est un Fernandez. Joueur très complet. On en parle un petit peu moins parce que c'est vrai que Mika Bonetto prend la lumière. Et pour m'être entretenu hier soir avec Gilles Guéraud, le double vainqueur du mondial, la Marseillaise, ce joueur qui est également licencié dans le même club hein, que Riviera, Fernandez et Bonetto, ah, c'est bien, il y est. Bravo, super. Deux points. Il me disait que dans cette Marseillaise, l'équipe serait plus forte encore si Jérémy occupait le poste de tireur. Ah oui. Oui, oui, c'était une analyse que me faisait Gilles. C'est aussi ses favoris. Hein. Et pour lui, l'équipe Riviera Bonetto Fernandez est devant l'équipe de Marco Fouillon. Eh bien, dites-moi. Ça n'est pas n'importe qui, effectivement, qui fait ce pronostic. Allez, quoi qu'il en soit. Ouverture du score à leur tour pour Mika Bonetto, Jérémy Fernandez et David Riviera qui ne sont plus menés que 4 points à 2 alors que nous entamons la quatrième main de ce quatrième et dernier quart de finale. On rappelle les qualifications un petit peu plus tôt sur ce carré d'honneur de Marco Foyo. Associé à Dylan Rocher, encore est-il besoin de le préciser, Stéphane Robineau pour passer de 15 à 18 victoires. Pour les trois hommes dans cette Marseillaise. Qualification également pour la triplette Morel qui compte en son sein Mason Dirk et Sonny Evan. Mason Dirk est de retour donc dans le dernier carré. Une première depuis 2013. Il était avec Chato Cano et Dominique Usaï à l'époque. Et puis la surprise du chef, il en faut une dans ces demi-finales. Et bien c'est la triplette emmenée par Nicolas Perry qui a pris le meilleur. Face à l'équipe suisse de Mamour Molinas, Mikey Le Fiston et Patrick Émile. Allez, le point. Alors, le but n'était pas bon. C'est l'équipe Puccinelli qui l'a posé à la main. Un point moyen de Riviera. Et une très belle reprise de Ludo Montoro. C'est frappé. Allez. Je tire court. Un peu agacé quand même, là, depuis le début de cette journée-là. Mika Bonetto, on le voit, un peu moins souriant, hein, lui qui est si souriant à l'accoutumée. Pour l'instant, il est un petit peu en lutte, là, pour rentrer dans son match. Allez, Ludo.
Bravo, Ludo. Ouais. Le Montoro, lui, il est bien rentré. Hein, après une première main un petit peu en dedans. Ça y est. Allez, celle-là, elle se prête vraiment à un carreau, celle-là. Ah, bah ça va bien. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, oui. Bien vu. Bien vu, Marion, une fois de plus. Ouais. Allez. Il faut que tu auras tiré. Tu perds l'avantage de la boule. Ah ouais. Allez, Jean-Mi, voilà, c'est un petit trou, là. On a, et ça, on s'en doutait un peu. Hein. On connaît très, très bien ces deux équipes. On a une équipe offensive, d'un côté, qui calcule un peu moins. Hein. C'est l'équipe amenée par David Riviera. Et de l'autre côté, une équipe plus défensive. Ah, le bouchon. Ah oui, moi, je suis trop près. Voilà. Donc, il va être long. Il va être long. Il va être long. J'espère pour lui qu'il est rentré de celle de devant. Pas persuadé. Ah, je rentrais, non. Ah ouais, t'es rentré, c'est bon. Ah, ouais. Ben. Allez, mon petit. Ah, Benji. Ah, c'est pareil que tout à l'heure. Ça revient même. Si t'avais frappé, il aurait pointé toi, soir après. Ouais, parce qu'elle est... Allez, Ben. Le contre est possible. Hein. Non, non, mais attention de ne pas manquer, parce que là, ça pourrait faire cher. Hein. C'est pas loin. Allez, Benji, pour l'instant, il est impérial au tir. Et très bon à la pointe. Hein. Voilà, super. Ouais. Voilà, bon. Dans la main. Trois boules pour Riviera, deux boules pour Puccinelli. Le point est à Puccinelli, mais en deuxième et troisième position, ce sont les boules de Riviera et Bonetto. Ouais, c'est très très bien. Ah ouais, encore. Hein. Waouh. Ah non, mais vraiment, pour l'instant, c'est dans tous les compartiments du jeu, on se rend coup pour coup, Guillaume. Il n'y a pas... il y a eu la petite faiblesse Bonetto, Montoro à la première main, c'est tout. Après, égalité parfaite au tir, égalité parfaite au point. Attention, par contre. Chef, arrête de bouger. Quand t'as tiré, toi, j'ai entendu. Allez, Ben. Allez, Benji. Allez, Benji Renault. Allez, pas se gêner du but. Hein, il est en dessous dans la main. Voilà. Ah, ouf. Ouf. Et le bouchon qui a décollé. Alors, il a été arrêté à l'extérieur du jeu. Hein, c'est une certitude. Il est re-rentré ensuite. Oui, il était marqué, puis en plus, eux, ils étaient en dehors du terrain. Ouais. Il a été, voilà, c'est... Ouais. Il a bien expliqué, Ludovic Montoro, vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y avait eu un petit problème, Guillaume. C'est pas faux, c'est pas faux, en effet, mais là, les joueurs étaient bien positionnés. Et... Ludo Montoro l'a dit tout de suite, là, les joueurs qui connaissent évidemment sur le bout des doigts le règlement. Donc, voilà, le bouchon est noyé. Bien, Ben. Et on en reste là. 4-2, toujours donc bim. Je sais pas qui l'a. C'est Mika Bonetto qui l'a pris. Je peux vous dire, Guillaume, qu'un bouchon. Ça peut faire mal. Ça, il part à 80 à l'heure. Et c'est impressionnant. Hein. Et si vous le prenez dans le genou, ça fait pas du bien. Et j'en parle en connaissance de cause. J'étais obligé d'arrêter une compète il y a 25-30 ans environ. C'était au jeu provençal. Je l'ai pris par inadvertance en plein genou. Un quart d'heure après, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Voilà. Allez, on revient au match. Début de 5e main et toujours ce score de 4-2. Donc, pour le vainqueur 2018, le dernier vainqueur en date, finalement, suite à l'élimination des. Détenant du titre, Patrick Messonnier et Adrien Delahaye, un petit peu plus tôt dans la compétition pour Joey Casal. Ça s'était arrêté encore un petit peu plus tôt avec Marcel Balestrieri et Kevin Malbec. Donc en lice, Jean-Mi Puccinelli et le plus récent vainqueur du mondial de la Marseillaise de pétanque. Allez, en tout cas, on l'a, ce match au couteau entre ces deux équipes favorites. Oh, ça y est, hein, ouais. Ludo Montoro va se hisser au niveau de David Riviera. Et on va avoir un duel à la pointe de toute beauté, n'en doutons pas un instant. Oui, parce que le point de David Riviera était très très bon. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Après, ils ont tous la fâcheuse tendance à jouer à gauche, dans ce sens.
doucement, attention, doucement. Voilà. Allez, c'est frappé. Une sur deux. Tirer la bouche, je dans ça, je crois. Pour les Cabonetto, qui en est à 7 sur 9. Ouais, donc ça arrête, même si ça l'agace, et ça reste évidemment des stats de premier choix. Hein. On a vu des moins de 50%, des 40% hein, au tir depuis la prise d'antenne de dimanche. Allez, voilà, du côté de Montoro, Puccinelli, on fait un travail de sape. Voilà, on pointe. Non. Et on le perd. Ah, t'as envoyé un poil plus loin. C'est la Benji, hein. C'est des bons points, ça, quand même. Ah, Ben. Parce que j'ai. Allez, vieux, le mien est bon, il se défend, le sien, il est bon. Allez, continue, Ben. Ah, Benji. Allez, Benji Renault, lui, il est, pour l'instant, il en est à 6 sur 6. Bravo. Et il continue de tirer à la perfection. C'est une tour de trop. Peut-être qu'il a tapé dans le sable, c'était des biens mortiers, mais tiens, un poil plus long. Un poil long. Je vais jouer, c'était bon. 3 boules à 3. Faire la reprise, car la boule de Puccinelli est derrière le but. Ça pourra contrer. De Montoro, pardon. Oh là 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 là. Elle a très très bien rectifié. Il était bas de 40 cm à la première, la deuxième, plein but. Quelle partie. Ah oui. Allez, les stats. Énorme. Ah oui, on peut difficilement faire mieux. Pour ce colosse qui, année après année, là, vraiment se fait une belle place au sein de l'élite française de la pétanque. Bravo. Habitué désormais des Masters. 8 sur 8 et celui-là il fait vraiment du bien de carreau. Énorme. Il avait même été élu MVP des Masters. C'était en 2017. Exact. Alors j'avais plus l'année en tête. Mais... C'est le hasard, Guillaume. Mais c'est 2017 ou 2018, je ne sais plus trop. En tout cas, pour sa dernière participation au Master de pétanque. Ça devait être 2018 alors. C'est effectivement pas l'année dernière, mais c'était l'année précédente. Il avait fait du jeu monstrueux. Monumental. Ah oui, c'était monumental. Allez. Chacune de ses sorties. Jérémy essayait de le gagner. Oh là là. Petit peu de réussite. Il était long, le point serait resté. Il se l'emmène, mais c'est vraiment très très bien joué. Il est face au bouchon. Parce qu'on en a vu des versets là dans les derniers centimètres avant d'arriver au bouchon. Un paquet. Allez. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Duel de milieu pour finir cette cinquième main. Puccinelli Fernandez. Ouah, parfois. Quelle partie des six joueurs. C'est exceptionnel. Ah, ça fait plaisir là, de voir ce niveau de jeu. Alors. Quand on vous parlait de finale avant la lettre. Allez, on tire pour essayer d'enlever le point. Voilà, oh là là, c'est monstrueux. Il a cadré par rapport à celle de droite au fond. Donc maintenant, il se retrouve avec deux points par terre. Et Jean-Michel Puccinelli se retrouve avec une boule pour essayer d'arracher la marque. En tout cas, cette main. On peut la mettre de côté, elle est fabuleuse. Pas de boule gaspillée. On se rend coup pour coup. Bravo. Jusqu'au bout, ça aura été joué à la perfection. Et Jean-Michel Puccinelli qui vient donc arracher cette marque. Cinquième point pour l'équipe Puccinelli.
qui continue donc de faire la course en tête. Mais quel travail à fournir pour aller prendre ce point désormais face à Bonetto, Fernandez et Riviera, qui, ça y est, hein, sont, semble-t-il en tout cas, à leur niveau qui est tellement élevé. Pour David Riviera, c'était le cas depuis le début. Et puis pour ces deux jeunes acolytes, ça y est, la courbe est ascendante. On va la voir, ce choc. Comme c'est trop lisse, quand j'ai fait le vent debout, à peine je tape. Allez, David, peux-tu lui parler ? Oui, je ne pouvais pas vous répondre, Guillaume, parce que j'avais un petit problème technique. Mais en tout cas, Jean-Michel Pusnigui a fait une reprise fabuleuse pour marquer dans la main précédente. Effectivement, les six joueurs sont vraiment, vraiment dans le match. Ah, il a perdu, mais c'est bien joué. Allez, on faut aller tirer du côté de Mika Bonetto sur ce point de Ludovic Montoro. Carreau. Allez, 8 sur 10. Allez. 1500 images secondes à la super loupe pour vous offrir ces magnifiques ralentis sur cette frappe de Mika Bonetto. Après, derrière, la boule, s'il est fait devant le boule, je sais pas. Ouais, elle n'est pas bien sortie à la main. Et en plus, elle a mal tapé. Les joueurs de Salon de Provence vont reprendre l'avantage dans cette main. Calme-toi. Les quatre boules de chaque côté. Jean-Michel Puccini qui... Exact. Un dernier... Maintenant, c'est bon. Dernier moment. Il est court. Et il va en manquer un petit peu, voire beaucoup même. Eh oui. Sur cette vue aérienne, attention de ne pas remettre de manière indirecte l'adversaire dans le match. Après, si tu viens à gagner, ça arrive à passer que tu le gagnes, l'autre va être dangereuse derrière quand même. Regarde, si il tape, ils sont obligés de jouer à l'écart, hein. Tu vas plus jouer au milieu. Ouais, mais le carreau de la première main, il vaut double. Des reprises compliquées. C'est pour ça qu'au point, franchement. Je vais pointer, mais si je prends ma boule, j'ai perdu ma boule. Ça ne tape trois fois, ça fait jouer. Après, comme vous voulez, les gars, si vous voulez tirer en tir. Ah ben, essaye de taper. Il reste. Ah ben, ils sont pas c'est bons, sûr que s'il prend qu'il écarte et qu'il fait rien, pas bien. Hein. Allez, si on en tape 3, on n'a pas que 2. Allez, ben, continue. Ouais, bien fait, bien fait. Par Bernji. Ouais, il continue. Son sans faute. Benji Renault. Ça va. Je voulais tirer à la première. Non, pourquoi faire. Mais je me gêne pas. Tu tires après. Ah ouais, c'est pas grave. Bah, si je tape dedans, tu tires après, je me gêne pas. On verra. Ah ouais, Benji. Ah ben encore. C'est pas le plein, les deux. Si elle tape correctement, il vient à mes pieds. Déjà. Ah Benji, encore. Ah, il y a encore une là. Allez. Pour l'instant, au niveau des tirs, Benji Renault a un léger avantage sur Mikael Bonetto au niveau des frappes, puisqu'il n'a encore pas manqué. Et voilà. Voilà, il suffit de le dire. Hein. De toute façon, ça c'est à chaque fois la même chose. Pas grave. Il avait joué au plus que parfait.
jusqu'à présent Benji Renault. Ouais, 8 sur 9 d'un côté, 8 sur 10 de l'autre. Et au niveau des carreaux, c'est identique. 2 pour Bonetto, 2 pour Renault. Allez, j'en mets ça de faire jouer. Allez, il faudrait essayer de venir dans le trou qu'a fait Benji Renault au tir pour essayer de minimiser dans cette main. Alors ce sera pas ce trou. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Bah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel avec le bouchon qui est en jeu là maintenant. Allez, par contre, si le but ne sort pas, vu l'attitude des joueurs, je pense, et moi j'en suis pas certain, que ça ne peut être qu'à l'avantage de l'équipe de Mika Bonetto, vu l'attitude des joueurs. Alors, il n'a pas bougé. Seul, Allez, Jérémy Fernandez, qui va donc avoir le l'issue de cette main entre les mains. Il y a là, c'est bien, hein. Ouais, possibilité de revenir là, à 5 partout. Exactement. Il y en a un par terre. Je joue là, carrément. Non. Et si je joue ces deux boules. Comme tu veux. Allez, non, joue comme tu veux. Allez, c'est toi qui as les boules, allez. Ça recollera. Allez, on va pas te dire à toi, il faut pointer. Allez, pointe bien. Allez, Mick. Essaye. Jérémy, tout à mis. Préfère jouer plus bas. Mm-hmm. Non, non, vu son positionnement, il a changé d'avis. Je pense que c'est plus aisé de. Non, non, il joue d'en bas, c'est pas facile, hein. Il peut rentrer dans la boîte. L'expérience, là, Guillaume. Et d'ailleurs, ça, on pourrait presque mettre en lumière avec l'effet mis tout à l'heure par Stéphane Robineau rentrant. On était d'ailleurs à la descente, comme ça, quand les joueurs revenaient vers nous. La sortie de main, finalement, extérieure, même de Dylan Rocher. Ouais, la différence entre la boule de Jérémy Fernandez et celle de Rocher et Robineau, la partie précédente, c'est que Jérémy a envoyé plus près de lui. Il a joué en demi-donnée, les autres ont joué plus à envoyer. C'est ça. C'est l'arbitre. Voilà, mais par contre, en jouant de l'autre côté, il pouvait rajouter plus aisément ce point. Allez, on va mesurer. Voilà, si je passe au milieu, c'était bien. Non, tu as la chance d'y taper dans une ou dans l'autre. 103 cm. Ouais, à la dernière là-bas, voilà. 104. Lire. Il ne touche même pas la boule là-bas. 1 cm. S'il te plaît. Allez. Je ne veux pas entendre. Ok. Allez. Je mets bien. Patrick Grignon. 103. Qui rappelle 2 mm. À l'ordre. Allez, il va avoir un tir à 3, Jérémy Fernandez. Allez, à la sauter, la boule. Ah, mais il a bougé le bouchon. Oui, il a bougé. Il a bougé. Ah, quand t'as pointé. Oui, il a bougé le bouchon. Allez. Un tir à 3. Il faut y frapper, Jérémy. C'est important d'en faire 3 et de recoller 5 partout. Oui, c'est bon. Aïe. S'en sort bien. Eh bien, écoutez, ce sera tout de même un point pris par l'équipe Bonetto, mais qui en attendait beaucoup plus, évidemment, de cette main. Réduction du score, donc. L'équipe David Riviera qui n'est plus menée que 5 points à 3. Alors, nous sommes encore ensemble l'espace d'une vingtaine de minutes sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur. Si jamais, si la partie venait, c'est probable, à se poursuivre au-delà d'11h30, eh bien, vous nous rejoignez, bien entendu, si vous n'y êtes déjà, car vous êtes très nombreux à nous suivre sur paca.france3.fr. Nous irons évidemment jusqu'à la dernière boule jouée de ce dernier quart de finale. On rappelle bien évidemment les qualifications de Foyot, de Morel, de Perry pour les capitaines d'équipe. Voici les trois triplettes. Allez, Benji Renault, continuer son festival. Ah, il se reprend un peu. Ouais, carreau, but noyé. Et allez, ce bouchon noyé, rien ne sera marqué. Donc 5-3, toujours au tableau d'affichage. On en reste là, dans ce duel au sommet, mon cher Fred Soulier. Vous n'en manquez pas une miette dans ces travées
du carré d'honneur. Oui, et j'ai une question technique que m'a posé un spectateur. Un joueur peut-il changer sa triplette au cours d'une partie? Et non. Alors, non, Marianne, non, non. Voilà. Alors déjà, il ne va pas changer sa triplette puisqu'il sa joue doublette. Avec deux boules. C'est une voilà. Non, non. Il ne peut la changer que si une boule devenait défectueuse. C'est-à-dire que une boule pourrait être fendue en deux, comme ça est arrivé déjà. Donc là, dans ce contexte-là, s'il n'a pas la troisième avec lui, il pourrait aller prendre une autre paire de boules tout simplement. Voilà, mais et en principe, les joueurs amènent une triplette quand même. Et celui qui en décide éventuellement, qui le valide, c'est là, ce serait Patrick Grignon, là, en l'occurrence, là. Qui autoriserait ce changement. Absolument, absolument, c'est l'arbitre. Allez, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, effectivement, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est effectivement une manière d'interagir, que ce soit sur paca.france3.fr ou sur les différents réseaux sociaux France 3 Provence Alpes Côte d'Azur. Vous posez vos questions, vos interrogations à l'occasion de cette journée des finales un petit peu plus dense encore que les années précédentes, puisque nous attaquons cette matinée par les quarts de finale. C'est que vous ne pouvez pas vous dire que c'est le plus beau. Voilà. Je vous ai montré il y a quelques semaines un endroit magnifique au bord du canal. C'est le club de la Boule Dorée de Port-de-Bouc où il y a énormément de joueurs de longue. Oui, c'est on vrai. Joue au jeu provençal, alors que la boule camarguaise, c'est plus la spécialité pétanque. Mais vous savez, Port-de-Bouc est une ville de pétanque, puisque on parle de cette ville. Dans les années 80, il y avait, pour une ville de 15-20 000 habitants, il y avait 11 clubs. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, il y en avait un dans chaque quartier. Allez, on revient au jeu. Aïe, 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 aïe. Allez, ne pas s'affoler. Mer, ouais, c'est sortie courte. Ça m'énerve de tirer comme ça, là. On n'en tire pas de pareil. Ah, et là, fausse main. Ah oui, fausse main du côté. Allez, il ne faut pas s'énerver, messieurs. Ne vous énervez pas. C'est un sport de patience. Il faut casser le rythme. Ah, c'est... Allez, celui-là, ils ne le perdront pas. Mais là, maintenant. Et du coup, Fred Mignon qui me fait la remarque, qui est à la super loupe, hein, qui nous gratifie notamment de ses superbes ralentis. Pas de mixte du coup à Saint-Canin en fin de semaine avec Axel Bernard du coup, si elle est prise par la réception officielle. Eh oui, ça aurait été sympa. Eh oui, ça aurait été sympa. Et pour concours de Saint-Canin à la fin de semaine. Hein. On n'a pas la même stratégie avec Axel, elle est offensive, moi je suis très défensif donc. Et puis elle perdrait son temps avec moi en plus. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Le gagner à hauteur. Pas mal joué quand même, non? Voilà. C'est bien, oui, 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 bien sûr. Ouais, là, il a. Bien sûr. Il a très, très bien pointé. Ultra important à ce moment, plus du match, là, où les têtes sont basses en face. Ce qui est important sur cette boule, Guillaume, c'est qu'il n'a pas dépassé le but. Voilà. Il ne prendra pas de devant de boule, en théorie. Allez, par contre, du côté de Jérémy Fernandez, il faut vraiment s'approcher. Et c'est pas facile, parce que les deux boules de David Rivera sont en plein canon, comme on dit devant. Il va être obligé de jouer sur le côté, voire au milieu. C'est pas mal, ça, c'est pas mal répondu. Oh là 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 là. Non, mais c'est très très bien. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est remarquable. Et encore une fois, le mouvement là. Voilà, vous l'avez entendu, elle est mieux là que si je l'avais gagné. Effectivement. Il bloque un peu tout. Mais écoutez, il va falloir rajouter les points. Le point est à 35-40 cm. Là, ça va pas être facile. En tout cas, les joueurs au polo gris seraient contents et se satisferaient de deux points. En plus, lui joue là, donc il peut décaler les boules. Mais chacun. Ouais, si on en fait 3, c'est bien. Ah oui, c'est plus que bien 3. Ouais, Jean-Mi. Je les sens très, très, très optimistes. C'est court. Attention. Court. Ouais, il lui manque la force. Hein. C'est pour ça qu'elle est tombée. Non, mais c'est pour ça qu'elle est tombée. Ah, c'est pas évident quand même. Hein.
Bah, si on tire, c'est maintenant. Hein. Si tu pointes la première, même que tu tires à droite après, tu tireras pas. Hein. Pas la dernière, ouais. Ah, moi, je pense qu'il ne faut pas tirer, Guillaume. 6 par terre, il faut qu'il en mette 1 sur 2, ça fait 3. Après, il est capable d'y frapper, attention. Si tu ne mets pas, tu vas avoir envie de tirer à 3. Ouais. Oui, parce qu'il sait que derrière, ce sera dur de le tenir. Allez, Benji, allez, frappe. Et il aura envie. Allez, on lui souhaite de frapper, mais il prend un gros risque. Il peut se démarquer. C'est sûr. Passer entre les boules. Eh oui, ouais, eh voilà. Oui, eh c'est la sienne qui frappe. Enfin, il y a des choses qui sont enfin, à ce niveau-là. 6-3 par terre. Le c'est trop droit. Deux boules en main pour essayer d'en mettre un septième. C'est droit la bonne. Pourquoi aller tirer Benji, fais-nous marquer. Allez, il incroyable. Je pense qu'il tire pour deux, hein, parce qu'il a cassé la sienne. Sa boule n'est pas sortie. Elle est derrière Ludovic Montoro. Elle était restée encore là. Voilà, on le voit au ralenti. Hop, il a dit un. Ludo, il a dit un. T'es resté là derrière la boule qui se trouve derrière Ludo Montoro, entre Ludo. Et Jean-Michel Puccinini contrer éventuellement. Donc il n'est pas malheureux. Hein. Non, il n'est pas malheureux. Allez. Cette affaire, allez, il faut y frapper. Ouais. Ouais, oh, ouais, remarquable. Super. Que c'est costaud. Ce que vient de faire Benji Renault. Pas heureux sur cette première frappe longue distance. Et qui quand même vient à se doubler pour ses deux points supplémentaires. Patrick Grignon, un point de rappel, semble-t-il, de l'arbitre de cette rencontre. Quand on bouche un trou, les gars, c'est ça. Je veux plus voir ça. Ah. D'accord ? Quand il y a un arbitre qui mesure, David, je ne veux pas entendre de remarques. J'évite aussi d'avoir des petits gestes d'énervement, d'accord ? Donc, concernant vous deux, c'est Jean-Mi et toi, faites attention quand vous faites. Je veux pas voir ça, les gars, d'accord ? Ça marche. Allez, pas de placard, pas de placard. Merci. Ah, ça va, c'est pas méchant. Hein. C'est joué. J'ai pas été choqué par des trous rebouchés de manière un petit peu exagérée. Mais bon, voilà, Patrick Grignon, lui, l'a vu et c'est bien là l'essentiel. Oui, oui, en tout cas. Si lui l'estime, en tout cas, c'est que c'est vrai, puisque l'arbitre a toujours raison. Par principe. En tout cas, ça fait 7-3, hein, mi-partie atteinte par Jean-Michel Puccinelli et ses partenaires. Voilà. On dit David Riviera de ne pas faire de remarques. Ça, c'était peut-être antérieur pour le deuxième arbitre, notamment. Et puis les petits gestes d'agacement que peut nous montrer Mika Bonetto, mais c'est très, si on très peut, léger. Hein. Si on ne peut plus respirer, alors. en tout cas, c'est très bien. C'est très bien ce qu'a fait Patrick. Il n'y a rien à dire. C'est aussi une manière de tenir sa partie. Hein. Voilà, de tenir sa rencontre. Ça part de là. Allez, en tout cas, il a fallu que Benji Renault se dépouille pour en faire deux, alors qu'en pointant, il en aurait joué une sur deux. Ça aurait été plus aisé. Ah mais j'ai vu la première que j'étais bien venu. Allez, on va changer. Allez. La spéciale Guéraud, je vais l'appeler celle-là. Ah ouais, c'est pas mal. On va voir si ça va porter ses fruits. Allez. Aïe. Aïe. La spéciale Guéraud, si vous n'étiez pas avec nous, si vous nous avez rejoint en cours de route, c'est parce que Gilles Guéraud, le double vainqueur de la Marseillaise, disait hier soir, Marian, effectivement, qu'il voyait potentiellement Jérémy Fernandez être tireur de tête dans sa triplette, dans cette partie. Ça pourrait presque rehausser encore le niveau de jeu des vice-champions de France en titre. Voilà, rien que ça. Ah, et c'est surtout parce que, pour aller au bout de la confidence, il me disait, les joueurs craignent Michael Bonetto et en étant milieu, il a toujours les boules pour finir les mains. Il y a cet aspect-là aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Gilles est un fin tacticien. Allez. Eh ben, c'est un moindre mal pour Jérémy Fernandez d'avoir manqué la première, puisque aucune boule est dans le jeu. 4 pour 4. Qui a joué, joue. Donc c'est à Ludovic Montoro de pointer. Allez, je parlais des championnats de France, hein, bien sûr, et de cette finale pour la triplette Riviera, Fernandez, Bonetto. Ben Ludo, lui, il a remporté le championnat de France en 2016 avec Romain Fournier et Massiste. Michel Atchadourian. Tu vas gagner. La consécration véritablement pour ce joueur discret mais tellement efficace, le Varois. Bravo. Pas comment je tire fort.
Ouais. Cadré, c'est bien déjà. Qui est très bon consultant aussi, en plus. Et oui. Hein, notre casquette, notre corde à son arc. Allez. On sait tout faire chez les Montoro. Et du côté du père, on est un très bon coach aussi. Avant d'être un très très bon pointeur. Joueur, pardon. Parce que Alain Montoro a eu d'excellents résultats. Allez, il serait bien inspiré d'en poser un là de carreau. Michael Bonito, lui. Ah, c'est frappé, pas les deux points par terre. Allez, deux boules dans les mains de Riviera contre une dans la main de Puccinelli et une dans la main de Benji Renault. Allez, on a décidé de jouer un peu long. De mettre un peu de distance. Alors, est-ce qu'on va tirer du côté du coup de Riviera ou pointer pour essayer de marquer? Hop, ouais. Il manque encore un coup. Et c'est ça. Allez, c'est très très bien. Ouais, ouais, Mike était un peu au démarrage, mais. Non, non, pas de doute. Interdiction de tirer, par contre, pour Benji Renault, puisque ses adversaires ont le point. Il est en deuxième position. Avec la boule de Jean-Michel Puccinelli que l'on voit derrière le but. Allez. Et les deux boules que l'on voit à l'écran, là, les plus éloignées, appartiennent à ses adversaires, donc la main est bloquée. Allez, essaye. Allez, faire la reprise. Pour essayer de mettre David Riviera en difficulté. Il est bas. Très bien. Très bien tombé, ouais. Allez. Eh bien. Eh bien, c'est une belle opportunité de rajout, ça, pour David Riviera, compte tenu du. Du niveau qu'il nous. Même ta donne quand t'as mis le pied, je voulais te dire. Qu'il nous montre depuis le début de cette partie. Ne part pas. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, deuxième point. Deux points pour David Riviera. Allez, retour sur les talons, une fois de plus. Même s'il y a trois points d'écart, encore. À l'avantage de la triplette Jean-Michel Puccinelli. Ça fait désormais. 7 points à 5, 7 points à 4 7 à 5. 7 à 5, pardonnez-moi, j'en avais oublié. Hein. Au passage, oui, j'avais 7-3. Ça fait 7-5, effectivement. Je perds mes basiques. Je joue comme ça, quand même. Allez, David Riviera dit qu'on joue pas bien. On est 7 à 5. Bah, effectivement, ils ont deux points de retard. Mais ça se joue à pas grand-chose. Hein. Si Jérémy Fernandez avait frappé la boule à 3, il serait exactement pareil. Moi, je trouve que. Allez, il y a un léger écart, effectivement. Mais de là à dire on joue pas bien, voilà. Allez, Benji Renault. Benji Renault, il a un avantage par rapport à tous les autres tireurs, c'est qu'il a un tir assez fusant. C'est ça. Il arrive je dirais pas ramasser parce qu'elles sont bien tirées ces boules, mais il arrive à bien les faire fuser et elles se donnent mieux que certains autres tireurs. Ah, Udo, dommage. Ah, fusée. Par là, c'est bien, c'est au top. Ouais. Allez. Là, je l'ai perdu, celui-là. Dommage, même que je le perde, je max un peu. Tu peux jouer, on perd que, c'est pas grave. Oui, si je le fais pas, c'est bien, c'est max, mais j'ai pas aller, il peut pas trop battre. Ouais, belle reprise. Ouais. Mais. C'est bien m'attirer une là. C'est les tiens, on est pas loin. Allez, mais prends ton temps là. Allez, comme ça, tu veux. Allez, attention de ne pas avoir de contre. Allez. Wow. Ouais, heureusement qu'il a fait carreau, ça avait contré derrière. Exactement. Allez, c'est bien. C'est parfait. En tout cas, David Riviera lui a dit c'est les tiennes, celle-là. Il reste que trois boules sur le terrain. Une à Jérémy Fernandez et les deux au fond du cadre, à côté de Benji Renault. Pour Renault et Montoro. Elle est pas du bon côté. Elle est là, elle est là. Alors nous devrions vivre à la fin de cette dixième main ensemble, bien sûr, sur l'antenne de France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur. Allez, d'ici moins de 5 minutes, maintenant, nous rendrons l'antenne. Donc rendez-vous est donné.
vous le voyez sur paca.france3.fr. paca.france3.fr. Et c'est internet où vous ne manquerez rien, aucune boule de cette compétition, de cette 59e édition là, du Mondial de la Marseillaise à pétanque. Ouais, il y en a deux. Allez, il a fait une très très grosse semaine, Jérémy Fernandez, puisqu'il a cadré deux fois un carreau à sa première, un palais à sa deuxième. Maintenant, les joueurs de la boule de l'Elysée ont deux points par terre. Deux boules contre trois. Oh. Oh. Pop, 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 pop. Ça va. Allez, c'est gagné. Eh ben mon collègue. Me fait peur aujourd'hui à la pointe. C'est du verglas. On a déjà entendu parler de verglas dans la bouche de Marco Foyo. Ouais. Verglas au mois d'août à Marseille. Il y a qu'à Borély qu'on peut voir ça. Aïe aïe aïe, oui ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah j'en mets encore. Allez, il va falloir se battre là jusqu'au bout. Je me On va essayer d'aller attraper ce point supplémentaire. Ah, j'en mets encore une petite là. Cette main va compter. Ouais. Cette main va compter. Vous avez raison, qu'elle bascule d'un côté comme de l'autre. Ça serait bien. Allez, bio. Ça fait un peu rien. Rien. Bravo. Bravo, bien. Vraiment, Michael. C'est bien repris du côté. Allez, au pire. Allez, de Jean-Michel Puccinelli. Allez. Voilà, et Mika Bonetto. Allez, s'il veut marquer, il faut qu'il pose un carreau là. Déjà. Le point de Jérémy Fernandez ne me semble pas perdable. C'est de la Benji, part de la dernière. Hein, voilà. Ça, hein, ouais. Okay. Ouais. Ah, alors là, il sera moins perdable encore. Tout à fait. Allez, c'est donner un petit peu d'espace, bien involontairement. Mal tiré, je les tape, je en tout cas, Guillaume, on vient d'assister encore une main exceptionnelle. Ah oui. Non, c'est un niveau de jeu que l'on n'a pas vu encore. Oui, voilà, tout simplement. Je voulais là, vous. Ouais. Vous me diriez, voilà, c'est pas étonnant non plus que cela intervienne au stade des quarts de finale. Il a gagné juste. Allez, Ben. Non, mais on s'est régalé toute la semaine. On a vu de beaux matchs, mais là, c'est vraiment un voire deux tons au-dessus tout ce qu'on a vu. Et il n'y a aucune équipe qui flanche, et c'est surtout ça qui est intéressant. Benji Renault donc qui vient une nouvelle fois arracher la marque pour son équipe. Jean-Michel Puccinelli, Ludo Montoro et Benji Renault désormais à 8. Ça fait 8-5 après 10 men joués dans ce quart de finale. Allez, Allez, avant de se quitter, hein, bien sûr, sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous rappelle bien évidemment vos rendez-vous de l'après-midi. On se retrouvera également sur notre antenne sur les coups de 15h10, si mon chef d'édition, voilà, Nicolas Mastras qui me confirme, 15h10 hein, pour les demi-finales. On aura démarré sur les coups de 14h30, hein, déjà les demi, donc sur paca.france3.fr. Et puis la finale ce soir aussi, bravo, en direct, hein, si vous le souhaitez, sur paca.france3.fr, sur les coups de 20h30, et puis sur l'antenne nationale, sur France 3, à minuit. Voilà, cette nuit donc, à minuit, en troisième partie de soirée. La grande finale de cette 59e édition du Mondial à Marseillaise à pétanque. On vous souhaite évidemment un très bon déjeuner à toutes et à tous si vous restez sur France 3. Et on se donne rendez-vous tout de suite sur paca.france3.fr pour la suite et l'issue de ce quart de finale, la plus belle partie que l'on ait eu à vivre jusqu'à présent. Yeah. Allez, Benji Renault qui continue son festival. Ouais, Benji Renault qui continue son festival, mais David Riviera, il a du mérite. Hein. Il a fallu aller le gagner, celui-là. Il a 40, le point sur le côté. Très, très bien pointé. Allez. Essayez d'user les tireurs. Et on voit à quel point elle arrive vraiment très basse, hein, cette boule de Benji Renault. Ah, il est long. Et là, par contre, il continue. C'est sûr qu'ils sont mis sous pression. Hein. Ils sont mis sous pression. Chacun dans leur secteur de jeu, David Riviera, il a tout joué, hein, jusqu'à présent.
remarquablement bien. Et voilà, il y en a peut-être une ou deux qui peuvent s'échapper de temps en temps. C'est tout à fait naturel, même pour des joueurs de ce calibre. Wow. Allez, c'est frappé. Il a cadré. Jérémy Fernandez, il se retrouve 3 boules contre 4. Allez, il faut jouer les 3 du côté de Bonetto, Fernandez. Et ils en perdraient qu'un dans la main. Regardez, ouais, regardez là, un petit peu ces stats-là. Le comparatif au point, ouais. C'est impressionnant. Ouais, et si on prend les stats, hein, intrinsèquement, Ludo est devant Ludovic Montoro. Ouais, mais comme on le dit souvent, oui. Guillaume, voilà, au à point, la pointe, c'est un peu compliqué. Subjectif. Voilà, vous voyez là, il va faire forcément la reprise sur celui-là. Elle va compter. Voilà, elle va compter. Donc voilà, il y a un léger avantage à Ludovic Montoro, peut-être. Mais vraiment, pour l'instant, ça se joue à pas grand-chose. Allez. Voilà, c'était plus pour exprimer effectivement la qualité intrinsèque. Quoi. Ah, voilà, en valeur absolue que les deux pointeurs sont vraiment très très proches. Voilà. Très bien vu. Allez, Jérémy Fernandez. Oui. Oh là là, du coup, j'étais placé, je l'ai vu sortir. Je pensais qu'il allait faire un carreau. Il a juste derrière. Idem. Quand je pointerai, hein. Après tu veux tirer, tire. Hein. 3 boules. Ouais. Ça me 2 fois, ça me perd 2. Ça revient au même. Tu peux embouchonner, tu peux te mettre collé à la boule, ça revient au même. Ça perdra 2 quand même. Allez, pointe bien. Il n'y avait pas un cheveu là. Allez. Entre la boule de Jérémy Fernandez et la boule cible. Ah, je vais tirer. Allez, tire, allez. Laisse-moi tirer, j'ai pointé. Allez, tire, tire. Allez, vas-y. Je sais que j'ai pas bien tiré, on sait jamais. Allez, tire. Allez, tire, t'as peut-être un merde. Allez, allez, faut taper à la première. Aïe 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 aïe, il a eu contre. Aïe aïe. Non, Michael, non. Michael, non. Michael, non, non, pas faire ça. Non, 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 Mika. Non. Il faut se... Voilà, c'est le seul reproche qu'on peut faire à cette équipe. Ils sont dans un rythme, ils jouent toujours de la même manière. Qu'ils soient devant, qu'ils soient derrière. Et là, ils vont concéder 3 points. 3 points. Là, ils sont donnés. Michael, il faut se concentrer, essayer d'embouchonner. Voilà, il les a donnés. Allez, 5 à 11, Guillaume. Hein. Ouais. 5 à 11. Ouais, parce que là, nul doute que Benji Renault va rajouter ce 11e point. Voilà, 3 points supplémentaires. Il en aura mis des plus compliqués, Jean-Mi Puccinelli, tout au long de cette compétition. Et le vainqueur 2018, qui n'est plus qu'à 2 points de retrouver le dernier carré. Alors, des derniers carrés, ça n'avait pas forcément tous compté hein, pour Jean-Michel Puccinelli, mais avant de décrocher la timbale, c'est-à-dire en 2018, il y en avait quelques-uns. Il y avait la finale de 2015, et vous pouvez rajouter des derniers carrés 2001, 2002, 2003. Voilà. Donc, à 5 reprises, déjà, il a intégré ce dernier carré. Oui, en tout cas, Guillaume, ce que l'on peut dire pour ce carré de demi-finale et cette finale de ce soir, c'est que pour l'instant, on connaît 3 équipes. Oui. Et vous voulez que je les rappelle? Avec plaisir. Bon, alors, il y en a une que je peux rappeler, moi, et après, je vous laisse le loisir de rappeler les deux autres. Donc, Rocher, Robineau, Foyot. Merci. Ensuite, Morel, Mason Dirk, Sonny Even, qui a battu la triplette de Tugo. Oui, et Jouffre, Perry. Moulins. Voilà, je vous laisse Nicolas, bien entendu. Voilà. En tout cas, oui, sur ces 9 joueurs déjà qualifiés, il y en a 3 qui ont déjà gagné le mondial, la Marseillaise. Et à 3, ils l'ont gagné 15 fois. Ouais, et les 6 autres ne l'ont jamais gagné encore. Donc, si Jean-Michel Puccinelli les rejoint dans le carré final, ils seront 4 à avoir déjà conquis le Graal. Et si c'est Bonetto, Riviera et Fernandez, eh bien, les 3. Allez, on va les qualifier d'intouchables, mais les 3 ultra favoris seraient les seuls à avoir déjà remporté ce titre. Allez, maintenant il faut lancer un peu son batou, mais ne pas s'énerver surtout. Essayez de se maîtriser. Wow. Allez, le carreau. Ça part de là pour Jérémy Fernandez. Allez, oubliez tout ce qui s'est passé.
dans la première heure de jeu. La partie n'est pas terminée et elle n'est pas perdue. Bien. Ouais, ça va. Il y a 3,50 m là. C'est bien, t'as gagné la course. Non, moi c'est prêt. Ah oui, c'est prêt. Oh. Vrai, allez, David, doucement, David. Voilà, vous voyez, ça joue trop vite, Guillaume. Ouais, vous avez parlé hein, de ce rythme effectivement effréné là, hein, une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes seulement pour jouer les boules. Je sais, Jean-Michel, je n'ai pas joué pour la joue là. Vous voyez là, David Rivera, il doit jouer un petit peu long en face du but, mais on ne sait jamais si le but se déplace, il peut faire compter sa boule derrière. Enfin, c'est de la stratégie. Les boules, il faut savoir où on les joue. Après, on ne les réussit pas toutes. Il fait une belle partie, mais ça manque un poil de réflexion sur des moments capitaux. Et pour l'instant, la différence, elle se fait là. En termes de maîtrise, je dirais. C'est là qu'il doit jouer sa première. Bien, il a failli descendre dans la boule. Ouais, il a failli. Aussi, je l'ai vu. Il va partir dans la boule. Potentiellement descendre. Allez, c'est une boule très importante là pour Jérémy Fernandez. Il vient à cadrer. C'est par ses adversaires. Voilà. Là, on va commencer à se gratter la tête. Allez, plus que cadré. Allez, de quoi faire descendre là des applaudissements des travées de ce stade là qui s'est copieusement garni pour ce quart de finale. Et nul doute de jouer. Qu'il sera comble cet après-midi pour les demi et à plus forte raison encore pour la finale de ce soir. Ah oui, on n'a pas de doute que ça sera plein. Il y a déjà énormément de monde pour ces quarts de finale. Avec le respect des gestes barrières, hein, bien entendu. Tout le monde est masqué, hein, excepté les joueurs. Vous voyez même Patrick Grignon, hein, l'arbitre de cette rencontre, qui est, c'est parti en bas. Qui est masqué. Seuls les joueurs, les athlètes ont une dérogation. Et dès que la partie est terminée, d'ailleurs, tout le monde remet son masque. Hein, toute ta première. Pas compris. Ta première, c'est pas grave, il faut les gagner. On a les boulons, quand même. Ah, mais les gars, il faut les gagner. Allez, tire bien, on tape deux fois, on perd 3, c'est ouvert. On a décidé. Tu joues point encore. Si on perd encore un coup, tu peux en perdre 4 ou 5. Hein? Si on perd encore un coup, on peut en perdre 4 ou 5. Aussi, ouais. Tu joues point Damien. Le problème, c'est que si on tape double, tu peux en perdre 3. Si on tape double, on en perd 3. Ah, j'ai pointé, alors allez. Non, je sais ce que vous voulez. Allez, tu vas le faire, Jean-Mi. Allez, si on pointe, il faut faire un devant de boule. C'est décalé un petit peu dans le rond. C'est dur à gagner les points. Hein. Tu vas tirer, tu casses un point. Hein. Tire Benji à la plus près, tu casses un point. C'est encore à nous là-bas. Ouais, allez, c'est... Pris, allez, c'est un petit casse-tête. Là, boules, qui se... Ah Benji, tu casses un point qui déjà. Se présente. Ouais, il faudra qu'il ait le premier. C'est vraiment pas loin. Le 3, pas Guillaume. Le point du Benji, s'il la met encore au milieu. Ah, mais allez, t'es rentré de derrière ou pas toi? Non, je suis pas rentré. Non, rien. Alors ouais. La pointe alors, allez, vas-y. Hein? Je vais pointer. Allez, alors joue bien la tienne. Allez, joue en face la mienne, on sait pas. Allez. Benji Renaud veut pointer. Sans rien pour court, hein. C'est surtout avant que Jean-Michel Cucinelli joue sa deuxième, je pense qu'il fallait tirer pour enlever des points. Il pouvait faire un carreau, c'est pas loin. En tout cas, Jérémy Fernandez, lui, il en a posé deux de carreau, ce qui fait le quatrième dans cette partie. Allez. Allez, frérot. Trois boules pour Bonetto, deux pour lui, une pour Riviera. Et si le bout vient à la sortir seul, il va faire trois, au minimum 4 points. Alors, c'est sorti deux. Allez, ça fera 2 points. Allez, quand même. Il a frappé la boule, ouais, c'est un moindre balle pour l'adversaire. Ils auraient pu en perdre 4 ou 5, mais il n'y a pas de quoi s'agacer là pour Mika Bonetto. Il a fait le boulot. Le bouchon est en danger, son touche même 2 points pris. Et ça revient à 11-7. Allez, c'est positif quand même. Ouais, mais après, c'est plus le jeu parce que non, mais imagine, tu fais que taper. Si Mika fait 2 paillettes, on perd 4 et 5. David est là. C'est pas des joueurs de pointer.
Après, parce qu'eux, ils ont des boules à boules, hein. Il n'a pas le droit de manquer, il a un contre ou quoi. Mais à partir du moment où il a fait carreau, ils en ont deux derrière. Un coup de chasse, on a eu. Il en perd 3 ou 4. Bah, c'est juste pointé. Après, le problème, c'est que si tu tires, imagine qu'on part au tir après. Toi, tu tires pas trop bien la tête. Mais on voit ses visages marqués, en tout cas. Là, il avait fait parce que ça ne développe pas le jeu qu'il souhaiterait développer, mais. Voilà, faut dire qu'en face, c'est... Non, voilà, je vous donne l'idée en disant oui, bah, on peut difficilement faire mieux, je suis d'accord. C'est la faute à l'adversaire, ils sont juste exceptionnels, hein. Ils jouent toute leur boule en face, hein, les polo-gris. Ils ne laissent pas du tout la place à l'erreur, c'est même assez impressionnant. Oui, et là, il y a eu, comme l'a dit Jean-Michel, on a eu un petit coup, il y a eu un petit coup du destin. En tout cas, bon, il fallait la sortir seule, la boule, elle n'était pas évidente à tirer. Ils auraient pu, le minimum dans la main, c'était 3. Ils auraient pu même en faire 4. Ils n'en perdent que 2. Allez, en tout cas, David Riviera a entamé cette fameuse 13e main avec un point à 50 derrière. Oh! Allez, c'est perdu du côté de Ludovic Montoro. Un petit peu long à la main. Ça, je penche un peu, mais ce qu'il y a, c'est que si je joue là-bas, c'est toute une bosse, là, toute une rayure. Je suis obligé de jouer plus bas que le jeu en la remontant. On voyait un peu plus loin. Ah, Edo, c'est pas grave. Un peu plus cher. J'ai envoyé trop loin, moi. J'aurais peut-être envoyé. Allez, gagne cette fois, allez, c'est pas grave. Gagne-le. Allez, gagne cette fois, un coup sur deux, c'est bien. Allez, mon pote. Allez, là. Allez, surtout ne pas le perdre une deuxième fois. Voilà, c'est gagné. Ouais, il y a assez de coups, la première. Je sais que ma donne, elle est basse, mais je l'ai passé. Ouais, mais j'ai envoyé un peu plus loin et je suis pas tombé vraiment dans le... Allez, Jérémy Fernandez, continuez. Ça de suite, c'était bien. A bien tiré. Bravo. Ouais, c'est ce qu'il fait. Hein. Ah, le fait d'avoir tourné hein, aussi. Allez, Jean-Mi. Gilles Guéraud, du coup, il voit les parties, lui, mais la veille. Vous les voyez quelques minutes avant ou... Mais lui, c'est la veille qui voit les parties du lendemain, en fait. Elle n'est pas finie, cette partie. Non, mais en tout cas. Ils ont bien fait de changer, de toute façon, ils ont bien fait. Gilles, voyez une formation initiale, comme ça. En tout cas, il en est à 10 sur 14, 4 carreaux, Jérémy Fernandez. Mais on n'oublie pas qu'il a manqué. Aïe, 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 Jean-Michel, il a un petit coup de moins bien, là. Jean-Michel, il faudrait qu'il s'alimente. Oui, exactement, qu'il se rafraîchisse, parce qu'il nous a parlé du mois de juillet qui aurait été infernal dans ce stade avec le vent. J'aurais su mon intuition, je voulais qu'il tire. Coupé. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'air au niveau du stade. Nous, on a un petit peu d'air sur les hauteurs. Ah oui, nous, on est bien. Et il faudrait qu'il... Après, si tu le gagnes, il est derrière. C'est du jeu. Au moins qu'il s'hydrate. Je gagne pas une. C'est pas qu'on les perd, c'est que je gagne pas une. J'aimerais où je voulais. Je tiens. Ah, c'est pas le jeu. Ah, c'est plus le jeu maintenant. Même qu'il est rentré, sa boule, c'est comme si elle était au planche. Allez, gagne-le. Allez, avec une boule, il peut rattraper tout dans le trou. Allez, Jean-Mi, joue bien celle-là, tu vas rattraper ta première. Là. Allez, ce serait bien. Ce serait bien, effectivement, qu'il puisse rattraper. Il va falloir rattraper. Sous pression, moins de 20 secondes. Qu'est-ce que je te dise ? Allez, on bouchonne. Bien joué. Juste à côté aussi. Dans la même gaulée, c'est les deux. Très bien fait. Allez, celle-là, elle est capitale, allez, Guillaume. Ouais, si Jérémy vient y frapper, la main va être... Ouais, c'est presque un retour... Très ouverte, là, pour eux. Bravo. Oh là là, là, il manque pas l'opportunité. Et Jérémy, il cadre, bravo. C'est impressionnant. Exceptionnel, Jérémy Fernandez. Puis c'est chouette, en plus, que ce soit peut-être lui qui soit, à l'occasion de ce quart de finale, un peu plus mis en lumière que Mika Bonetto. Ouais, mais c'est un petit peu comme au football, vous savez. Oui. Toujours l'attaquant qui est mis en valeur. Le milieu défensif, on le voit moins bien. En tout cas, pour gagner tout ce qu'ils ont gagné, c'est impossible que Bonetto les gagne tout seul, hein, avec Riviera et Fernandez. Voilà. Et surtout, c'est une équipe très offensive, ça veut dire que Fernandez frappe énormément de boules, et là, il est en train de nous le prouver. Hop,
Alors, bravo, ça va. Si c'est gagné, c'est très bien. Oui. C'est repris, ouais. J'ai arrêté, hein. Parce que c'est des points qui sont bons quand même. Hein. Ah, mais je m'en tapais, moi, pas sorti du trou, où j'étais. C'est pas étonnant. Allez. Une fois, c'est pas interdit de tirer non plus, c'est qu'on pointe sur des bons pour faire jouer la dernière de Benji Renault. C'est quand même des bons points quand même, je vais pointer, moi. Il faut cadrer, t'as tout de suite. Tapé surtout, mais... Il est court, oh là là, oh là là, elle n'est pas sortie de la main. Ne pas t'énerver, allez. Mika. Ne pas t'énerver, ne pas t'énerver. La boule, elle n'est pas jouée. Voilà, la main, elle n'est pas perdue. Allez, David, il faut se, voilà, s'isoler là. Voilà, c'est très bien. Vous voyez, il prend son temps. Ah, mon David. C'est oui, j'allais dire, c'est peut-être à lui, effectivement, de ne pas jouer en 15 secondes, 20 secondes. Ouais. Il a l'expérience pour, et ça permettrait peut-être de faire descendre encore un petit peu plus la température. Si chez jeune partenaire. Ah, pas parti aussi. Non ? Si on tire, autant que ça fasse. Elle tire, hein. Allez. Donc une boule, frérot. Allez, tire. Allez, attends. Non ? Allez, donc une boule, tu fais ce que rien, hein. Faut tirer, allez. Allez, faut y aller. Ah, non, t'imagines la boule. Alors il y a quand même le 12e par terre. Oui, alors il a tiré, il faut y frapper. Ouais, parce que s'il vient y frapper, il ne perdra pas. Par contre, s'il manque, il pourrait perdre. Allez, on se régale, il faut frapper, Mika. Allez. On a envie de voir une fin palpitante. On ne veut pas que ça se termine comme ça. Costaud. Costaud, Mika Bonetto. Quel retournement de même. Malheureusement pour Michael Bonetto. Bien sûr, on les voyait revenir sur les talons des polos gris. Ah ben. Allez, ils ont deux points par terre. Pour l'instant, il a bien pointé Benji Renault sur le peu de boules qu'il a eu à jouer. 6 sur 7 au point. C'est impressionnant pour un tireur. Il est long. Oh là là. Oh là 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 là. Vous voyez les petits coups de réussite où ils sont. Pas malheureux. Pas malheureux là-dessus. Benji Renault qui accroche le 12e point au tableau de chasse de son équipe. On les voyait, Bonetto, Riviera, Fernandez potentiellement pouvoir revenir sur les talons de leurs adversaires. Mais non, ce sont les polos gris qui continuent d'avancer et qui ne sont plus qu'à un petit point du dernier carré. Allez, qui pour rejoindre les triplettes déjà qualifiées. S'en excuse encore, hein, Benji Renault auprès de ses adversaires. Qui pour rejoindre la triplette emmenée par Marco Foyo, celle emmenée par Morel aux côtés de Mason Durk et de Sonny Even. Qui pour rejoindre également les deux Nicolas, Perry et Molins. Sans oublier Jean-Claude Jouffre, bien sûr, l'homme aux 10 titres de champion de Haute-Loire, vainqueur de multiples nationaux qui joue souvent avec Bruno Gir et Zombie, Zonko Radnik. Allez, 12 à 7 et on reçoit des messages pour savoir si le tirage au sort des demi-finales a eu lieu, hein, puisqu'habituellement le tirage au sort a lieu, je dirais, au coup par coup. Oh là là, crocheté du côté de Jérémy Fernandez. C'est pas grave, c'est la première boule. Eh bien, on vient d'avoir l'information de la part de Michel Poggi. Le tirage au sort se fera à l'issue du dernier quart de finale. D'accord. Voilà, dans les espaces réceptifs du Mondial La Marseillaise. Donc, on ne peut pas vous annoncer le point où on démarra cet après-midi, ni les affrontements. D'accord. Voilà. Allez, Benji. On va profiter aussi pour passer un petit coucou à Alain Mokrani, qui nous regarde de Thaïlande. Vous vous rendez compte, 25 ans de bénévolat au Mondial La Marseillaise et malheureusement, à cause du Covid, il a dû rester à Bangkok et il nous suit. Et on te fait un petit coucou, Alain. Allez, 14h30 pour la première demi-finale. Allez, doucement, David, doucement. Voilà, vous voyez le rythme, Guillaume. Alors c'est très bien joué, il n'y a rien à dire. En plus, il a quasiment embouchonné. Non, c'est sûr. Mais on ne casse jamais le rythme. C'est les autres qui dirigent un peu le match. Puis on se retrouve avec Ludo Montoro qui est encore en train de passer derrière le jeu. Alors c'est peut-être c'est sûr moins gênant lorsqu'on pointe, mais
quand même. Non, ça ne le gêne pas à rien, David, parce qu'il a l'habitude. Hein, il joue toujours assez vite, en fait. Allez, Benji Renault, surtout ne pas casser le but. La main est belle. Ils ont 12 points. Bravo. Bravo. Allez, on s'attendait à ça. Guillaume va tirer au but. Bien sûr. Michael Bonetto, alors il est capable, hein, il a noyé plusieurs fois en finale du championnat de France. Ça ne veut pas. Et dans cette main, on se rappellera la sixième main quand Jérémy Fernandez a tiré un tir à 3. Il a manqué. On se rappellera la main précédente si Mika s'était doublé. Il manque 4 points au compteur, Guillaume. On serait pareil. On serait 11 à 11. Et là, on se retrouve 7 à 12 avec une boule de match pour Michael Bonetto pour sauver la patrie. Allez. On doit le regarder du côté de Salon de Provence, oui, du côté de la boule de l'Elysée. Le président, M. Roulant et Cécile Masse. Allez, on a envie de se régaler encore. On a envie de voir du suspense. Ah, c'est manqué. Prochain. C'est manqué et malheureusement. Imaginons, je tire les. Tu t'imagines où j'arrive à tirer quand même? Malheureusement. L'issue de cette rencontre semble désormais inéluctable. Le voici qui s'excuse déjà auprès de ses partenaires. David Riviera et Jérémy Fernandez. Mais c'est ça, hein, c'est ça le jeu. Allez, il va falloir y frapper. Jean-Michel Bussigny, ça fait un moment hein, qu'il n'a plus tiré. On se rappelle qu'à la première main, il avait posé un carreau. Allez, Jean-Mi. Voilà, après, je ne sais plus s'il a. Je crois qu'il n'a plus tiré hein, depuis la première main. Voilà, donc, allez. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Allez, c'est la deuxième, c'est pas tu tires, c'est pas grave. Hein. Allez. Allez, pas grave. Allez, maintenant, c'est bien. Tout allez. Juste, hein, vraiment. Allez, Jean-Michel. Tout juste à droite, là. Sinon, c'était plein fer. La longueur, il l'avait allez, au millimètre. Allez, il en a encore une pour se régler. Allez, exactement. D'aventure, il venait à manquer. Ludovic Montoro en a encore une, hein, lui. Hein. Allez. Oh, une à droite, une à gauche. Une à droite, une à gauche. Ah, qu'elle est dure, aller chercher ce dernier carré. Et c'est Ludo Montoro qui va avoir cette dernière boule. Il aurait bien aimé, à coup sûr, de pas avoir à la. Ah, mon Ludo. À la jouer celle-ci. Allez, mon frère. Ludovic Montoro. Alors, lui, il en a tiré une, il a manqué. Allez, mon pote. Allez, Ludo, j'ai servi à rien. C'est parti, là. Allez, Ludo. Allez, Montoro. Allez, mon taureau. Allez, frangin. Allez, une boule de demi-finale dans les mains de Ludovic Montoro, le double tenant du titre des Masters de pétanque. Allez. Oui, superbe ce que vient de faire les Ludo Montoro pour sa deuxième Marseillaise. Il va donc atteindre le dernier carré en compagnie de Jean-Michel Puccinelli. Et de Benji Renault, voilà. Ah, on est un petit peu déçus, c'est sûr, on reste sous le coup de l'émotion hein, pour Mika Bionetto, Jérémy Fernandez et David Riviera, notamment le premier nommé. On aurait aimé que Mika soit au niveau qui est le sien. Il est déjà sorti hein, du terrain, la tête basse, mais c'est comme ça aussi, voilà, ça arrive, il n'est jamais véritablement rentré dans son match. Oui, il est triste, il est déçu, on le comprend, en tout cas, il faisait partie des favoris, c'était une finale avant la lettre. Je dirais que les joueurs au polo gris emmenés par Jean-Michel Puccinelli ont mieux géré les moments cruciaux dans cette partie. Eh bien, on va peut-être leur demander, ils sont au micro, ils nous font l'amitié de quelques mots, au micro de Fred Soulier. En effet, c'est peut-être l'expérience qui a joué aussi pour cette qualification. Jean-Michel, la fin a été un peu chaotique. Un coup à droite, un coup à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été très moyen dans cette partie. J'ai pas trop bien pointé. J'avais bien démarré au tir. Mais là, à la fin, j'avais manqué deux fois frappé gagné. Donc, normalement, je ne serais pas m'arriver. Mais voilà, Ludo, il a fait le nécessaire pour me faire gagner cette partie.
Ouais, ça n'a pas été bon, celle-là. La partie aurait dû se terminer quelques minutes plus tôt. Ouais. En attendant, vous êtes qualifié pour les demi-finales. Vous allez retrouver cette sensation particulière du moment du carré d'honneur. Vous êtes le vainqueur 2018. C'est toujours... quelle envie vous avez de retrouver cet après-midi? Quel partenaire vous ferait plaisir? Le tirage au sort n'a pas eu lieu encore. Bon, partenaire, nous, voilà, ça ne nous regarde pas trop. Quoi. Nous, on a qu'à bien jouer. Après, voilà, on prendra qui on prendra. Et moi, il faut que je me repose bien pour être plus en forme cet après-midi. Et bien voilà, on va les laisser se reposer. Merci, messieurs, pour le jeu. Merci. Et bien, bravo également à vos adversaires, valeureux. Ouais, merci, merci Fred. On vous retrouve évidemment comme toutes nos équipes en début d'après-midi pour ces demi-finales, le tirage. Donc, on va vous le donner bien sûr sur France 3, sur paca.france3.fr. Vous l'aurez et quoi qu'il arrive, on se retrouve donc sur paca.france3.fr dès 14h30. 15h10 ensuite sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur. Ouh là là, ça promet. On va vite filer déjeuner comme vous et on se retrouve en début d'après-midi pour ce dernier carré. Bye bye.